Alger chaîne 3. Monsieur Lemine Labou, bonjour. Oui, bonjour. Alors, l'économie nationale est en pleine mutation. Les banques ont toujours été pointées du doigt par rapport à leur retard enregistré en matière de développement et de modernisation. Le président de la République a donné des instructions fermes. Réformer tout notre système financier, c'est ce qui s'opère actuellement. La BNA s'adapte et opère SAMU. Monsieur Lebout. Oui, tout d'abord, bonjour. Merci pour l'invitation. Bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio chaîne 3. Effectivement, l'économie nationale, elle est en pleine mutation. Les banques aussi, aujourd'hui, ont mis en place une stratégie de transformation qui axe principalement sur le renforcement de leur capacité en termes de collecte de ressources et naturellement d'appuyer le processus de financement. Il faut souligner que les banques agissent aujourd'hui en société commerciale. Ils ont un objectif d'appuyer l'économie nationale tout en réalisant des bénéfices pour l'actionnaire. Aussi, il faut rappeler principalement que cette transformation des banques opère à plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est une transformation au niveau de la gouvernance, d'où la question aujourd'hui au niveau des conseils d'administration avec un système bicéphale entre président du conseil d'administration et le rôle régalien du conseil d'administration ainsi que l'exécutif, la direction générale. Deuxième point de vue, il y a aussi une transformation en termes d'activité dans le digital, la numérisation des activités bancaires. Et troisième point, une transformation qui vise à une inclusion massive pour collecter les ressources et donner cette confiance aux clients tant attendue pour pouvoir booster le processus de financement. Est-ce qu'on peut considérer, partant de vos déclarations, M. Mohamed Lemine Labou, que aujourd'hui les choses ont totalement changé, tant au niveau de l'approche, de la stratégie, que la vision et les objectifs que ça signe aujourd'hui les banques algériennes, Monsieur Labou? Parfait, merci pour la question. Juste à titre de rappel, il faut rappeler que la banque est un intermédiaire entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui en ont besoin. Ça, c'est une mission classique et régalienne de l'activité bancaire. À l'intérieur de cette mission, il y a des process et des processus qui opèrent, qui permettent à la fois de collecter les ressources et à la fois de garantir des financements selon des règles de rentabilité et de solvabilité telles que fixées. Il faut aussi rappeler que les banques algériennes, de façon générale, ils tendent à financer l'économie national à travers des projets structurants sur les grandes sociétés. Je citerai les projets d'Algérie Télécom, je citerai le projet de la Sonalgaz, de la Sonatrach et d'autres aussi dans le secteur privé qui se lance aujourd'hui de façon très visible. Donc je pense que la transformation de façon générale du climat, d'opérabilité de ces banques-là, il répond parfaitement aux exigences aujourd'hui du climat d'affaires. De fait, un nouveau code d'investissement qui a été mis en place, un code d'investissement qui permet aujourd'hui à accéder au financement de façon très simpliste, et aussi de donner des garanties en termes d'avantages comparatifs tant escomptés sur cette économie. Donc l'approche et la vision changent et s'adaptent au contexte économique actuel. Effectivement, oui. Alors, M. Mohamed Lemine Labou, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à ce déploiement et cette externalisation de la BNA dans deux pays stratégiques au niveau du continent africain. C'est une orientation et directive stricte du président de la République qui demande aux opérateurs de se déployer au niveau international. D'ailleurs, il a fixé la barre très haut. On passe de 7 à 13 milliards de dollars qu'on doit atteindre d'ici la fin de l'année en termes de volume et d'exportation, de valeur d'exportation. Cette année déjà, ça a été une année quasiment record puisqu'on a atteint les chiffres jamais égalés depuis l'indépendance de l'Algérie. Je voudrais revenir avec vous sur cet accompagnement des exportateurs pour bien sûr investir les marchés internationaux qu'offre aujourd'hui la BNA et les banques algériennes, puisque le président de la République, puisqu'il lui-même veille sur la présence de nos opérateurs à l'international, va récompenser ce matin les meilleurs exportateurs. Monsieur Mohamed Lemine Labou, oui, vous serez à la conférence tout à l'heure après l'émission. Oui.
Oui, effectivement, c'est que le rôle, il faut rappeler, hein, le rôle de la banque, c'est d'accompagner l'ensemble des opérateurs qui souhaitent investir aujourd'hui et de créer de la valeur. Il faut rappeler aujourd'hui que tout exportateur, avant de créer le produit, il faut se faire financer et accompagner souvent par des banques. Il y a cette prise de risque aujourd'hui par les banques ? Il y a cette prise de risque, enfin il y a certainement une prise de risque aujourd'hui, crédit, il y a une fameuse triade aujourd'hui. Crédit les banques, égale, c'est une prise de risque ? Effectivement. Et le crédit égale confiance et confiance égale risque aussi. Donc à des niveaux naturellement proportionnels. Nous accompagnons aujourd'hui tous les opérateurs économiques qui souhaitent créer de la valeur et créer de la production qui aux normes et aux standards internationaux pour pouvoir les exporter. Nous apportons toutes les facilités d'accompagnement et tout le conseil requis pour ces opérateurs économiques souhaitant exporter les produits, que ce soit au niveau du conseil, parce qu'on peut aussi conseiller nos exportateurs à travers des contrats qui auront à signer avec des opérateurs dont les autres pays cibles, et nous mettons à leur disposition nos services du commerce extérieur à titre de conseil pour pouvoir garantir le rapatriement de leurs fonds. Donc toutes les opportunités sont ouvertes et nous avons une panoplie de produits qui peuvent accompagner, que ce soit du moment où l'approvisionnement en matières premières, qu'on peut accompagner sous forme de crédit d'exploitation, on peut aussi leur faire des avances sur facture, on peut escompter leurs lettres de crédit si quand on les reçoit avec des clients qui sont avec leurs clients qui sont bien côté. Donc il y a autant de d'outils d'accompagnement pour réussir les 13 milliards de dollars. Et vous êtes confiant pour les 13 milliards, vous pensez qu'on pourra les atteindre rapidement? Je pense oui, parce que aujourd'hui il faut reconnaître que nous avons des champions nationaux. Il faut rappeler que nous avons des champions dans les secteurs de l'énergie. Il faut rappeler l'expertise et le savoir-faire de Sonalgaz qui est exportable aujourd'hui, que ce soit en service et que ce soit en bien équipement. Les services d'Algérie Télécom aussi sont exportables aujourd'hui. Et nous avons aussi des opérateurs privés qui ont des produits qui sont très demandés à l'international, qu'ils arrivent aujourd'hui à se placer. Il faut aussi, dans le ciment, nous avons JICA, qui est leader, et aussi nous avons des opérateurs, etc. Donc, étrangers aussi, étrangers, pour les citer. Effectivement, oui, dans le secteur de la sédérologie. Dans le domaine pharmaceutique également, oui, beaucoup de potentialité. Il y a dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine agroalimentaire, et même, je dirais, électronique et électroménager. Électronique et électroménager. Donc, autant de domaines et autant de... Il y a le domaine de l'agriculture aussi, qui est très très important. Il faut rappeler que toutes les banques aujourd'hui financent le secteur de l'agriculture. Il n'y a plus de spécialisation. Donc, et à cela, rien qu'à l'agriculture, à elle seule, elle peut enregistrer des scores qui seront surprenants. Donc, il faut rappeler aussi que tous ces opérateurs économiques, ils sont dans des banques et ils ont toutes les facilités dans la réalisation de leur activité. Également pour le principe des startups, monsieur Labou. Pour les startups, nous avons créé un fonds qui s'appelle ASF, Algerian Startup Funds. C'est un fonds qui est constitué des 6 banques publiques, qui est dédié exclusivement à l'accompagnement des startups. Et au courant de 2022, ce fonds, il a quand même réalisé des scores assez importants en termes d'accompagnement. Il y a aussi, avec le concours du ministère des startups, de la connaissance et de la petite et moyenne entreprise, il y a le dispositif de labellisation, donc il y a un label start-up. Il y a aussi un dispositif pour la PME qui est en train de se faire réformer en la matière. Donc nous sommes une banque généraliste, hein, on sert le plus grand public possible
et dans les différents métiers possibles aussi. Alors en matière d'investissement aujourd'hui, vous déployez aussi pour accompagner cette dynamique économique, puisque nous avons vu qu'on a déblayé un certain nombre de textes législatifs qui étaient considérés comme étant des verrous à l'investissement. Les banques doivent accompagner aussi cette dynamique. Oui, oui, effectivement. Juste, je vous donne des chiffres qui sont assez importants. En 2021, nous avons reçu 17 290 dossiers. Dans les 17 290 dossiers, nous avons accordé pour 16 327 dossiers. Il y a une évolution en 2022. Nous avons reçu 18 904 dossiers de crédit et nous avons répondu à 18 000, alors un avis d'accompagnement, 18 240 dossiers. Vous voyez la différence que le taux de rejet, il est infiniment, il est inférieur entre 2 et 3%, qui est un taux tout à fait correct. Au score, au dossier de 2023, au 31 mars 2023, au premier trimestre, nous avons reçu à la BNA, la Banque Nationale d'Algérie, 6 698 dossiers. Et nous avons répondu à 6 287 dossiers. Donc là, on est au premier trimestre. On imagine, si on continue avec cette cadence, nous allons arriver à plus de 24 000 dossiers au 31-12-2023. Donc vous voyez aujourd'hui, en termes de croissance, elle est assez importante. Il faut rappeler que tous ces chiffres-là ont une concordance en termes de financement. Il faut rappeler que l'encours du crédit total, en termes secteur privé, secteur public et les dispositifs de l'ANAD, dépasse les 1700 milliards de dinars, les 1700 milliards de dinars de crédit. Donc avec une évolution, vous savez, dans les grandes banques, les évolutions en termes de concours, elles sont entre 2 à 8% et on est en train de garantir une évolution soutenue en termes de financement. Alors justement, par rapport à ces chiffres que vous avez annoncés un instant, Monsieur Lamine Labou, qui sont en croissance par rapport aux projets financés, vous parlez bien sûr d'un taux de rejet qui est infime, mais qu'est-ce qui justifie ces rejets aujourd'hui? Est-ce que c'est par rapport au fait que les projets proposés ne sont pas suffisamment rentables ou alors il y a encore de la frilosité à prendre certains risques économiques? Pourtant, la banque, son travail, c'est la prise de risque. Au fait, effectivement, c'est une bonne question. Nous étudions aujourd'hui les projets dans leur aspect de rentabilité et naturellement dans leur aspect de KYC, c'est-à-dire la connaissance du client. Mais est-ce que vous avez les capacités nécessaires pour évaluer tel ou tel projet pourrait être rentable ou pourrait ne pas l'être? Effectivement, aujourd'hui... Des experts... Oui, mais je vous expliquais, aujourd'hui nous sommes organisés de la sorte que nous avons plusieurs panels de vérification et nous avons des critères au sein de la direction générale. Vous savez, des dossiers, quand je vous parle des dossiers, il y a des niveaux au niveau des dossiers au niveau de l'agence, il y a au niveau régional et il y a au niveau central. Certains crédits relèvent de la direction de l'agence, d'autres relèvent de la direction régionale et d'autres relèvent du comité central du crédit. Il faut noter que les refus, ils peuvent être sur la forme. Donc des fois, les clients ne ramènent pas forcément tout le dossier complet, qui est simple. Il y a des documents importants. Je peux vous citer à titre d'exemple. Un permis de construire est un document assez important si on est appelé à financer de la construction. On ne peut pas accorder un crédit sans permis de construire valable. Ou on peut l'accorder sous réserve qui nous ramène le permis de construire. Mais dans les deux cas, lorsque la personne ne ramène pas le document, il ne pourra pas bénéficier de l'utilisation du crédit. Donc ce n'est pas un rejet. C'est un rejet temporaire en attendant de compléter le dossier. Non, en sa première phase. Mais vous savez, nous, quand on donne une validation d'un dossier de crédit, il y a une date de validité. Donc on vous donne 6 mois, par exemple, pour constituer l'ensemble de la documentation. Et au-delà de 6 mois,
et c'est tout à fait naturel, il faut revoir le business plan et il faut réactualiser votre demande de crédit. Donc il y a des dossiers où on fasse des entretiens par rapport à la maturité du client en lui-même et sa connaissance à son propre projet. Quand on voit que le client n'a pas de grande connaissance du projet, il ne maîtrise pas forcément les aléas du projet, il est difficile qu'il le gère. Donc là, il y a un risque. Donc ailleurs, aujourd'hui, on est très regardant sur la connaissance du client. Nonobstant, la question de rentabilité et de solvabilité du dossier. Quand je dis rentabilité, il faut regarder les éléments du dossier, les éléments du marché, la connaissance du marché, la valeur ajoutée et les résultats escomptés. Donc, pour chercher la capacité de remboursement, parce qu'un crédit doit être remboursé aussi. Donc, de là, on peut décider l'accompagnement ou le non-accompagnement du dossier. Mais est-ce que vous regardez plus le projet par rapport à sa rentabilité future, parce qu'il ne l'est pas tant qu'il n'a pas été réalisé, ou alors vous assurez aussi de la solvabilité de telle sorte, est-ce que vous puissiez récupérer vos prêts, monsieur Mohamed Lamine Labou, puisqu'on sait que par le passé, la BNA, malheureusement, elle est passée par une période où elle a été complètement siphonnée, elle a accordé l'équivalent de 18 milliards de dollars, mais qui n'ont pas pu être récupérés à ce jour. En fait, on regarde les deux questions. Les deux questions, on regarde le niveau de rentabilité et le niveau de solvabilité du projet. Il y a un mixte, où il y a un arbitrage à faire. On regarde le dossier et il y a l'histoire du client. Donc il y a plusieurs paramètres aujourd'hui qui classifient le dossier. Si nous avons un nouveau client, aujourd'hui qu'on ne connaît pas au niveau. Là, on regarde le projet de façon très approfondie. On essaye de faire sortir les paramètres et de retraiter les éléments présentés dans l'étude et de chercher la vendabilité du projet. C'est-à-dire, est-ce que c'est un projet vendable? Il peut le liquifier sur le moyen terme. Mais quels sont les projets que vous financez essentiellement dans projets, le contexte actuel? Sans exclusion. Tous les projets, sans aucune restriction, sans aucune liste limitative au projet. De l'agriculture jusqu'aux grandes industries, on les accompagne sans exclusion. Les start-up Et naturellement, les start-up, ils ont leur propre dispositif aujourd'hui d'accompagnement. Et à ce jour, il y a le dispositif de l'ANAD, aujourd'hui, qu'on continue à maturer et à poursuivre en termes de financement. Mais les délais d'étude des dossiers sont limités de telle sorte. Parce qu'on dit « time is the business ». Et souvent, on a tendance à aller vers des délais plutôt fleuves au niveau des banques. Monsieur Mohamed Lamine Labou, les choses ont changé, ont totalement changé. Au fait, je vous explique. Pour un petit peu enlever le doute sur la question de délai. La banque, son produit commercial, souvent, une bonne partie, c'est les crédits. C'est les crédits, aujourd'hui, les intérêts issus de ces crédits-là qui font vivre les banquiers. Donc si on prend du retard, ça veut dire on prend du retard sur notre propre produit. Je pense que en termes de délai, si vous avez un dossier complet, dont la forme et le processus étant lancé, ça dépend des pouvoirs. Au niveau des agences, souvent, c'est un dossier complet, en une semaine, la décision est prise. Après, et vous répondez. Eh ben oui. On ne laisse pas courir le client, venir taper à la porte de la BNA tous les jours pour dire est-ce qu'on en est avec mon dossier. On est ouvert. Donc, il y a une partie, ils peuvent venir. Après, il y a la phase de réalisation des garanties. Cette phase-là, c'est que le client, on lui donne le crédit et on lui donne les conditions préalables pour réalisation de ce crédit. Et souvent, dans certaines situations, les clients se retardent à ramener de la documentation, de la garantie par rapport à certains éléments. Et dès que les ramènent, nous, on mobilise le crédit au moment de la réalisation de la garantie. Au niveau central, c'est la même chose. C'est que il y a un processus à suivre. Et lorsque le client arrive aujourd'hui à constituer son dossier de façon très normative, la décision est prise dans un délai de moins de 30 jours. L'interconnexion entre les banques
est en train de se réaliser, de se mettre en place, puisque nous avons vu qu'au niveau de la Poste, ils sont beaucoup plus avancés par rapport aux banques. Ben c'est bien, c'est déjà aujourd'hui au niveau de la Poste, il y a un effort. Il a été réalisé il y a quelques temps déjà, mais est-ce qu'au niveau des banques, c'est le cas également? C'est-à-dire, à partir de n'importe quelle wilaya, je peux retirer de l'argent de la PNA sans recourir à envoyer un fax. Ben aujourd'hui, je peux vous garantir... Parce qu'il fax, il faut le bannir. Faites le test au niveau de la PNA, vous pouvez retirer votre argent au niveau de n'importe quelle agence. Via le CPA, via la BEA, ben, on peut le faire également? Aujourd'hui, il y a deux types. Donc pour les gens, il y a des opérations domestiques qui se font au niveau de la place bancaire et les banques sont interconnectées à travers des plateformes de télécompensation. Les transferts se font systématiquement, ils se font instantanément. Instantanément, il y a la technologie aujourd'hui. Il y a certains pays, c'est un clic, hein, monsieur. Aujourd'hui, vous savez, des virements, il y a les virements assez rapides, hein, 48 heures, donc il y a le virement ARTS. Donc il y a la télécompensation pour encaisser l'échec et elle se fait de façon très normative. Il y a aussi la connexion en termes de retrait. Vous savez, aujourd'hui, quand vous avez une carte de paiement, vous allez à n'importe quel guichet, vous avez la disponibilité instantanée de votre fonds. Même si vous êtes client au CPA ou à la BADR ou au BOA ou à la CNEP ou à la BDL ou peu importe la banque, vous pouvez retirer de l'argent et de façon instantanée. Alors, vous avez cette question de l'auditeur très pertinente. Bonjour, monsieur le PDG. Nous sommes prêts à déposer un dossier au niveau de votre institution financière pour un projet industriel en cours de 2,5 milliards de dinars. Pourriez-vous nous assurer sur le respect des délais de délivrance des crédits? Rapidement, oui. Monsieur. C'est un engagement? Écoutez, les aujourd'hui, délais. Les délais, oui. On peut faire ça dans un délai de moins de 30 jours. Mais il faut qu'ils nous assurent de nous donner un dossier complet aussi. Donc moi, cet opérateur-là, je suis prêt à le recevoir à partir de jeudi matin. Donc il vient au bureau, il demande à être reçu et je serai ravi. Et c'était l'engagement de l'invité de la rédaction. Oui, alors, bien sûr. À quand la carte Visa de la BNA? Rapidement sur la question, il nous reste... Ça va être à fin septembre de l'année en cours, vous allez avoir la carte Visa de la BNA. Il y a un processus aussi avec la société Visa qu'il faut respecter et ça ne dépend pas forcément de nous. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, je vais vous poser quand même cette question, c'est qu'il est étonnant de pouvoir interdire des transferts et limiter de l'argent liquide au sortir des frontières, qu'avec la carte, par exemple, Visa, on peut retirer les montants qu'on souhaite à partir de l'étranger. C'est pas normal, ça aussi? Limite du liquide déjà, et on permet veiller à la carte. La carte, l'argent est bancarisé. Et il y a la réglementation, elle est claire. Hein. Vous pouvez utiliser et jouir de l'utilisation de vos fonds à votre convenance. Donc, niveau-là, ça ne pose pas de problème. Monsieur Mohamed Lamine Labou, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Au revoir. Alger Chaîne 3.